Ok, du coup, on va acheter celui à 140 diamants. Je vais pas faire celui à 300 parce que j'ai pas assez, ça va se reset demain, je pense. Donc je vais faire celui à 140 et puis on terminera cet objectif dans la matrice de débloquer ce légendaire. J'aurais pu le débloquer depuis déjà un petit moment avec l'événement le tout dernier là, le Summer, mais j'avais pas envie de le payer dans l'événement parce que je trouvais ça trop facile. Et puis en plus, je commence à en avoir marre de faire tous les niveaux à chaque fois. Donc moi je trouve que c'est plus logique de l'avoir dans la matrice parce que ça fait 3 ans je crois que j'essaie de le débloquer. Je voudrais bien le débloquer loyalement dans la matrice. Je trouve que c'est mieux que de le faire dans l'événement. Et voilà, j'en avais pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais voilà pourquoi je l'ai pas pris la dernière fois. Donc aujourd'hui du coup on prend celui à 140 diamants. Hop. Et donc il m'en manque 6. Il y en a un dans le Galaxy Mission qu'on ira s'acheter. Du coup, les 5 derniers, ce sera dans la matrice. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai bientôt assez pour acheter celui-là à 50. Si jamais j'ai assez, je le ferai. Et dans ces cas-là, je vous ferai une ellipse. Bon, du coup, c'est bon. J'ai récupéré le mode arène. Donc, j'ai assez de diamants pour le premier. Donc, on va récupérer ce morceau et puis on sera tranquille. Du coup, il m'en faudra que 4 dans la matrice. Ouais, 5. Mais le cinquième, on le récupérera dans le Galaxy Mission. Donc, en vérité, il y en a 4. Donc, voilà. Bon, écoutez, il est temps. Il est temps, il est temps. J'ai été vendre dans la matrice, le légendaire y est. Et en plus de ça, il y a ma compétence missile. Donc, on va s'en occuper une bonne fois pour toutes. J'ai récupéré la récompense après. Donc, voici le légendaire. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait les packs. D'ailleurs, la vidéo est toujours pas en ligne. Peut-être que je mettrai tout d'un coup, directement. Je vais refaire mon montage, je pense, après. Du coup, il y a le légendaire et il y a cette compétence. La compétence, elle est pas mal. Je l'avais niveau 3 jusqu'à maintenant. Je l'avais mis sur le premier vaisseau. Si je peux l'avoir niveau 4, ce serait bien aussi. Donc, le bouclier de glace, je m'en fous un peu. Ce prédateur-là, pareil. Parce qu'il risque d'arriver dans un événement futur, je pense. Donc, voilà. Par contre, le légendaire y est. Donc, on va claquer nos tickets et on va récupérer ce légendaire. Il y a des jetons numéro 10 aussi qu'on peut récupérer. Donc, let's go. On a 93 tickets. Si je le débloque pas aujourd'hui, il y a un malaise. Allons-y. Ça commence très mal. Ça commence vraiment très mal. C'est quoi ma poisse là? Oh nice. Oh putain! Eh mais il aime bien les doubles lui hein. What? Mais gros! Et c'est le troisième là! C'est quoi ce bordel? J'ai cru qu'elle allait me le donner. Putain, elle m'a encore donné ça. Mais. Putain, le légendaire là. Tu vas me le donner un jour? Et la compétence, il en manque qu'un seul. Hein. Arrête avec ce vaisseau de merde, putain. Encore un stand numéro 4. Ah, yes, encore 3. Putain, ça fait 3 ans que j'attends. Hein. Oh putain, le v'là. Ouais, mais le problème, c'est que il risque de me leur donner la compétence. Du coup, on va peut-être éviter. Je vais attendre que le légendaire revienne avec une autre compétence. Écoutez, on va pas le débloquer maintenant. Mais en tout cas, la vidéo sera toujours pas en ligne. Donc, c'est sûr et certain, je vais tout mettre d'un coup. Donc, je vous reprends dès qu'il y a le légendaire avec une autre compétence. Bon, le grand moment est arrivé. C'était absolument pas prévu. Je viens de me rendre compte il y a quelques minutes. Mais le légendaire est là et il y a Chronosphère avec. J'avais dit que je le ferais quand il y aura une bonne compétence. C'est le cas. Chronosphère, je voulais vraiment l'avoir. Alors, on va pas l'avoir niveau 3, je pense, mais on va le choper niveau 2. Parce que du coup, dès qu'on aura débloqué le légendaire, on arrêtera de le faire. Forcément. On a 125 tickets de matrice. Je pense en utiliser 25, justement. Ce serait bien, ça fera un contre-rond, mais bon. On verra bien. En tout cas, on va utiliser un outil maintenant, je pense. Bon, le bouclier de glace, je m'en fous un peu. Ça peut être cool de l'avoir. Et ça aussi. Et puis, un jeton légendaire aussi. Bon. Par contre, fatigué de run. Hein. Ça, c'est cool. Ah, il a failli. Hein. Par contre, évite les tickets. Non, mais sérieux, j'allais dire en plus. Évite les tickets de run. Ouais, cool. Non, ça, je m'en fous.
Ah, le v'là. Bon, on l'a niveau 2. Ok, plus qu'un. Ça fait 3 ans qu'on attend ce moment. Plus qu'un. On a 89 sur 90. Plus qu'un et on le débloque. Nice. Ouais. Le v'là. Après plus de 3 ans, le v'là. On l'a enfin débloqué. Et c'est un moment incroyable, hein. C'est un moment historique. Bon, bah du coup, on va pas continuer. Bon, bah ça va, j'ai pas utilisé beaucoup de tickets, j'en ai utilisé que 12. Donc ça y est, on l'a. Le v'là. Donc des points légendaires, on va pas les utiliser forcément, mais bon. Le v'là. On va l'utiliser en PVP quelques temps, je pense, et puis voilà. Hein. On l'a débloqué, ça y est. Ça y est, il est à nous. Donc on ira le tester et clairement je vais bien aimer. Clairement. On va le mettre sur le profil pendant un bon bout de temps aussi. Et du coup ça y est, on l'a.